Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous ai prévu un petit épisode assez spécial de Not So Gentle Games. Donc aujourd'hui, on va suivre Mashima dans ses deux TD allemands, donc le Jack Panzer récent et le Grade 15. Donc je vous ai sélectionné quelques-unes des parties qu'il m'a envoyées. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et on va passer tout de suite au game. Donc première partie, Mashima est dans son Grade 15. Il est en peloton avec Nilochark qui est de mon clan. Donc Nilochark qui est dans son T62A, c'est forcément une game de tir à 10. De chaque côté, donc on a deux T62A au niveau des rouges, on en a un au niveau des verts. Donc au niveau colline, ça va être compliqué pour Nilochark d'avoir des tirs effectifs. Vous voyez, au niveau de la mobilité du gris, c'est plutôt sympa. Et première chose qu'on peut remarquer pour Mashima, c'est qu'il n'apprécie pas forcément d'être en seconde ligne ou en snipe. Il s'est directement mis en première ligne pour attendre le premier T62A pour passer son premier shoot. Donc premier shoot de la part de Mashima. Il s'est certes pris une petite pilule, mais bon, c'est pas grave. Il a, au niveau du trade, il est gagnant et là il est en train de se repositionner pour avoir des tirs sur le deuxième T62A. Là il passe à la gold tout simplement parce qu'il voulait assurer son tir sur la tourelle. Donc vous savez que la tourelle de ce médium russe est plutôt blindée, donc c'est pour ça qu'il a préféré sortir la gold. T62A qui fait l'erreur de se montrer. Ben, une chose à savoir au niveau du Grade 15, c'est qu'il est certes pas du tout blindé, mais il a un canon qui recharge assez vite pour son calibre. Il est super précis, donc ça permet de faire des snapshots assez sympas, voilà, comme celui-là. Et ça recharge assez rapidement. Donc là, on est à 1-0, Mashima a déjà envoyé un peu la sauce. Nilochark s'est repositionné pour essayer d'aller s'occuper du T62A au niveau du phare. Et un autre kill pour Mashima qui fait le café. Là, depuis le début de la partie, il a quasiment non-stop tiré. Là, est-ce qu'il va avoir un tir sur le petit... Non, le T62A, premier mist de la partie pour Mashima. Vous avez vu la précision qui est pas mal. Le temps de rechargement qui est excellent. 11 secondes, c'est quand même très très bon. Deuxième chance, cette fois-ci ça passe très bien. 659, c'est grosso modo dans la moyenne d'alpha de ce char. Il fait 650 je crois en alpha moyen. T36 présente, c'est pas forcément le char qu'on veut croiser, mais bon, le grill a une tourelle qui tourne un petit peu. Il a une précision qui est pas dégueulasse du tout, donc ça lui a permis de placer un tir comme celui-ci. Il sait qu'il va pouvoir recharger le plus rapidement par rapport au T30, mais bon, il y a 7. Cette espèce d'âne a voulu absolument passer son tir et ça a failli coûter très très cher à Mashima, mais grosso modo très bien joué de sa part. Ils sont déjà à 6-1, donc là ça va être du nettoyage, on va dire petite game, petite première game tranquille pour Mashima qui va pouvoir passer un dernier tir avec un max roll. Donc vous savez, c'est le dernier skill qui a été ajouté par Wargaming qui permet de faire un max roll tous les 3 tirs pénétrants, je crois, ou 5. Donc très bien joué encore une fois de la part de Mashima qui nous démontre que le grill, même s'il n'est pas blindé, il peut aussi se mettre en première ligne. 5350 dégâts, une classe 1, forcément une gros calibre, 1317 d'expérience, c'est à prendre et c'est un bon échauffement pour Mashima. Donc très très bien joué de sa part et on passe tout de suite à la deuxième partie. Donc deuxième partie, Mashima est toujours dans son grill 15, cette fois-ci Nilochark est dans son Batchat. Donc au niveau de la composition des équipes, 2 TD au niveau des verts, 4 au niveau des rouges, des gros ouvre-boîtes en face, donc il va falloir faire attention. Nilochark dans son Batchat également, donc là ils vont se diriger côté médium. Nilo qui va prendre une position de spot avec son Batchat, ça peut être sympa. Le 140 qui est spoté, mais il n'a pas l'air de vouloir. Ah si, il est en train de se déplacer sur la droite, c'est parfait. Malheureusement, la petite erreur de jugement avec les murs, etc. de la part de Mashima, mais bon, il est pas spoté, ça c'est pour l'instant, il reste assez safe. Donc là, le deuxième coup qui ne passe pas, il attendait un coup de shot qui était, je pense ce qu'il a pensé qu'il était spoté, c'est pour ça qu'il a préféré bouger. Il se remet en position pour essayer d'aligner le 140. Cette fois-ci, ça passe un peu à droite, c'est pas grave.
Donc là, il va essayer d'avoir un tir sur le 2-6-8, c'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, il est un peu bloqué, il n'a pas forcément envie de trop s'avancer. Le 140 qui est en train de se relocaliser, est-ce qu'il va avoir un tir cette fois-ci? Non, le 140 qui s'est arrêté au dernier moment. Donc les premiers tirs, c'est pas forcément... c'est pas forcément la réussite qu'il a eue en début de partie sur la partie précédente. C'est pas grave, je pense qu'il va quand même se ressaisir. On est à 0-1 parce que forcément le 75 est parti solo côté heavy. 183 qui est spoté, 140 également. Ils ont pas l'air d'avoir grand monde ailleurs. Donc là, petit tir sur le 140 avec un petit aéro qui fait toujours plaisir à 701. Il se remet à couvert, il est relativement safe du 183. Il va profiter du fait que 183 ne le regarde pas pour placer un petit tir, se remettre à couvert du 268 et continuer à avancer sur le 140 qui est maintenant one shot pour lui. Donc là, il va tranquillement passer un joli amorak pour le style et on est déjà à 2-1. Donc maintenant, il y a quoi? Il y a un 268, il se prend une petite pilule de probablement du spawn. Jack Panzer 100 qui est spoté, IS-7 qui est spoté, joli tir en reculant. Donc là, c'est la précision du grid pour vous, j'ai envie de dire, même si c'est quand même beaucoup de RNG pour le coup. On va dire que là, c'était 50-50 pour que ça tape dans le sol. Il va reculer, le Centurion qui se présente, 680, petit high roll également. Donc on est revenu à 2-2, hein. Donc on va voir si Mashima va pouvoir continuer à carrer comme il le fait sans trop s'exposer au Jack Panzer 100. Cette fois-ci, il choisit la HE tout simplement parce qu'il ne pouvait pas tirer à la hit, il y avait des objets qui encombraient le passage. Il va pouvoir se reculer tranquillement, essayer d'avoir soit le Jack Panzer 100, donc là le Jack Panzer 100 qui n'est pas visible, l'IS-7 qui est cette fois-ci visible. Malheureusement, il n'a pas réussi à passer son tir, mais étonnamment, l'IS-7 a bouncé, donc c'est parfait. Il s'est en revanche pris un tir du Centurion 7-1 qui est au gros canon, donc ça c'est pas forcément top. Donc on va voir si il va pouvoir avoir un tir sur le 7-1 cette fois-ci. Malheureusement non, il aura peut-être à 6 HP, je pense qu'il n'a pas réagi assez vite. À 6 HP, il aurait dû prendre la HE, ça aurait très très bien fait le taf. Donc cette fois-ci on est à 2-3. C'est pas... Voilà, donc là il a sorti AHE, on est revenu à 3-3. Milochar qui est aux prises avec 2 TD semble-t-il, donc c'est assez compliqué. L'IS-7 qui a pas l'air de vouloir bouger de son spot, qui est en train d'avancer cette fois-ci. Le coup qui part dans la terre cette fois-ci. Et le 183 qui enfin le sort. Donc là, on va continuer. Nilo qui se retrouve à poil face à des TD. Le T-114 qui est en train d'avancer sur lui. Donc c'est un peu galère. Le Jag qui est présent. Et joli aéro là à 696. D'ailleurs, le Jag ne fait pas du tout attention à lui. Ce qui permet au 183 de le sortir. Le T-114 qui est spoté. C'est parfait. Petit tir pour 623. On est maintenant à 5-4. Donc Nilo a réussi à s'échapper. Très bien joué de sa part. Il est en recherche maintenant Mashima et là il fait un move que je trouve assez risqué, dans le sens où si le 268 et T114 attendent, il pourrait le choper dans l'open, donc c'était quand même assez risqué. Petit tir qui fait assez mal, mais bon, là je qui passe heureusement parce qu'il n'était pas full focus, donc il n'était même pas focus du tout, donc plutôt bien joué de sa part, même si encore une fois c'est un peu une part de RNG. Nilo Shark qui vient de détourner attention du T114, il va pouvoir le finir tranquillement pour son cinquième kill, donc bien joué de la part de Nilo Shark et Mashima sur cette partie. Vous allez voir, ils ont encore très très bien taffé. Et surtout Mashima sur cette partie, donc 5 kills et vous allez voir les dégâts, c'est plutôt sympa. Également 5000 dégâts, une Master, Top Gun, Radley, gros calibre. Donc GG à Mashima en grill et cette fois-ci on va passer sur les games en Jack Panzer E100. Donc troisième partie, cette fois-ci Mashima est dans son Jack Panzer E100. Il est cette fois-ci en solo, c'est une game de tir à 10, il est sur B du port, donc vous voyez 3 mètres de son côté, 2 mètres du côté ennemi, 4 heavy contre 3 heavy, 1 TD de chaque côté et c'est un Jack Panzer 100 de chaque côté. T-54 allié a l'air d'être stop, donc c'est pas forcément
Top, top, top. Le STB1 a pas l'air. Ah si, il a l'air de se diriger du bon endroit, c'est parfait. Mashima, lui, va prendre une position qui va lui permettre de soutenir un peu ses médiums dans la prise du côté médium. Donc là, le 140 qui se prend un premier tir de la part du STB. Le STB qui ne va pas jusqu'au bout. L'IS-7 ennemi qui est un IQ, donc c'est pas forcément mauvais, qui est en train d'arriver pour apporter son soutien au 140. Donc là, Mashima va prendre une position qui est assez intéressante. La premier tir, malheureusement, ça passe pas. Bon, il n'a pas pris le retour de feu. Là, c'était un snapshot. Il n'avait pas forcément le choix. Le 140 allait bientôt tirer, etc. Donc, pas de soucis là-dessus. De toute manière, les tirs que vous ne prenez pas sont toujours manqués. Donc la petite position qui est bien sympa, comme je vous l'ai dit, ça lui permet de cacher sa plaque du bas par rapport au 140 et de montrer que ça casse mat par rapport à l'ISL. Donc c'est une position qui est assez sympa. Donc là, cette fois-ci, Mashima s'avance un petit peu, toujours en étant plus ou moins hold down. C'est plutôt pas mal, c'est une position qui est assez intéressante. Là, le tir sur l'ISL qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, il est toujours full life. Donc petit début de partie, on va dire relativement tranquille pour Mashima. Cette fois-ci, l'IS-7 a l'air de vouloir s'avancer, il veut avoir un tir. Cette fois-ci, il était à la PCR, il va pouvoir cette fois-ci lui passer un retour de feu pour 743, et c'est plutôt pas mal. Se remettre à couvert tranquillement. Là, cette fois-ci, le STB1 vient de se faire sortir, c'est pas forcément bon, ça veut dire que le côté est relativement nettoyé pour l'ennemi, en tout cas pour l'IS-7 ennemi. IS-8 qui se présente, Mashima qui est en train de monter pour faire face au T57 Heavy. Joli tir à 867, il va se mettre à couvert et le mot a bien suivi. Donc on est cette fois-ci à 2-1. L'IS-7 qui est en train d'avancer sur le sang, c'est parfait, ça va permettre à Mashima de s'avancer et passer son tir. Donc vous avez vu au niveau du temps de rechargement, c'est pas forcément la même chose. Là, il a 15 secondes de rechargement, joli feu d'ailleurs sur l'IS-7 qui n'avait pas d'extincteur, donc c'est parfait. Il va pouvoir s'avancer tranquillement, lui mettre la pression et continuer sur le Jack Panzer 100. Vous avez vu, l'IS-7 et l'IS-8 ennemi ne font pas attention à lui, donc c'est parfait, il va pouvoir en profiter. Batka, ça passe très bien. Encore une fois, un max roll avec le petit skill qui fait toujours plaisir. Il va pouvoir se remettre en position en faisant attention que Jack Panzer ne le regarde pas, tout simplement parce qu'il n'aurait pas forcément envie de se prendre une pilule de sa part. On est à 3-2, hein, donc c'est pas forcément une partie qui est gagnée. Tir en bas de caisse, ça passe très très bien. Il va pouvoir se retourner, faire face à l'ennemi, donc l'IS-7 et l'IS-8. Le sang qui fait le ménage également, donc c'est parfait. Il est un peu low HP, donc ça va être un peu compliqué pour lui de survivre. Mashima qui s'avance, l'IS-7 qui était traqué, qui a probablement vu la menace, qui s'est reculé pour faire face au E100. Donc là, on est à 5-3 maintenant, donc on va voir si Mashima va pouvoir s'occuper de l'IS-7. On est à 5-4 maintenant, donc c'est pas forcément une game gagnée pour lui. Mais là, il va pouvoir passer son tir et... Là, je comprends à peu près le move dans le sens où il voulait se mettre à couvert par rapport au médium ennemi, mais je pense qu'il aurait pu viser en tout cas sur l'IS-7 et éviter de manquer ce tir qui pourrait lui coûter cher. En tout cas, là, il est relativement tranquille. L'IS-7 est passé à la PCR, semble-t-il. 429 dégâts. Cette fois-ci, joli tir de Mashima qui ne bounce pas sur le nez qui n'était pas anglais. Il se remet en mode recul pour casser le circuit de l'IS-7 qui voit qu'il ne peut pas passer. Mashima va pouvoir lui passer un tir et le finir pour le 7-5, le MOS ayant fini le médium ennemi. Donc GG encore une fois à Mashima, une game plutôt tranquille pour lui. Il a bien su reconnaître où attaquer et quand attaquer, donc c'était plutôt sympa. Pas de petits défauts particuliers à part l'avant-dernier tir sur l'IS-7, 5800 dégâts, une gros calibre encore une fois, une master, et on va passer à la partie suivante. Donc game 4, cette fois-ci, Mashima est dans son Jack Panzer 100 encore une fois, il est en peloton avec Royal Roar qui est dans son T110E4.
Donc Cry Error qui est aussi ben, dans mon clan. Donc cette fois-ci c'est sur la map Canyon je crois. Donc à première, en tout cas en première décision, Mashima a décidé d'aller eh bien du côté du point A. On est en suprématie et là il vient de se raviser tout simplement eh bien parce que son équipe s'est dirigée côté C, sachant qu'en plus aucun, enfin le seul médium de son équipe n'a pas jugé bon d'aller prendre de l'information au niveau du point B. Donc ça commence plutôt mal pour Mashima et Roy Error. Ils n'ont pas forcément d'informations, enfin maintenant ils en ont sur le déploiement de l'équipe. Il fait attention sur le côté gauche pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui traînait pour lui passer un petit shoot ben, quand il arriverait. C'est pas le cas, il va se mettre en position pour essayer de shooter sur le 42-02 et ensuite eh bien se retourner. Ah donc non, le T62 active une petite pilule, joli petit feu qui fait toujours plaisir. Et le T62A qui s'est fait plus ou moins one shot par Mashima parce qu'il n'avait pas de kit. Donc là, le 4202 qui s'est fait traquer, c'est parfait. Mashima peut lui passer une petite pilule et ça fait déjà 2000 dégâts en deux tirs. Donc c'est plutôt bon pour un début. Il va pouvoir se mettre en position pour faire face au T110E5, au T110E5,5, à l'IS4, etc. Donc là, il a pour l'instant pas de tir. Il essaye de se mettre en held-down par rapport à l'ennemi. Donc là il va peut-être avoir un arrière de tourelle, il va tenter le tir et ça passe, ça part droit, c'est parfait. 792, ça fait toujours plaisir pour un angle aussi petit. Royal Roar qui a bien suivi sur le 4202, ça veut dire que la menace sur l'arrière est éliminée. Donc Mashima va pouvoir prendre la base B assez tranquillement. Est-ce qu'il va avoir un tir sur le T110E5? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Il n'a pas de tir sur les IS-4. Donc la base B est capée. Il va pouvoir se concentrer eh bien sur les IS-4 qui pourraient s'avancer ou les T110E5. Donc là, il est dans une position qui est assez efficace en Jack Panzer 100. Bon, là, il se prend un tir du Foch ennemi. Est-ce qu'il va avoir la dépression de canon? Non, c'est pas le cas. C'est pas grave. Le Foch qui s'est remis à couvert. Donc, il va essayer de se reconcentrer sur la menace frontale. Petit tir de Royal Roar. Petit tir de Mashima. Et le pauvre T110E5 qui s'est fait littéralement atomiser par le peloton, le peloton de nos copains. Donc là, petit IS-4 qui essaye de passer, donc il n'a pas l'air de vouloir ressortir pour l'instant. Donc là, cette fois-ci, il se prend un tir de l'IS-4. Bon, c'est pas grave, il se prend un deuxième tir du deuxième IS-4 qui bounce celui-là. L'IS-4 qui a l'air d'en vouloir, petit tir sur le côté, ça passe très très bien. Et il se remet à couvert tranquillement. Donc vous voyez, encore une fois, il joue très très bien avec le terrain et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment quand je le regarde jouer. C'est vraiment les positions qu'il prend et ses positions par rapport au terrain. Donc là, joli tir qui part droit sur la joue de tourelle du T110E5. On est à 5-3, il reste plus que Foch et IS-4. Donc comme je vous disais, donc là ça va être du nettoyage, comme je vous disais, regardez bien son positionnement, à chaque fois il joue très très bien avec le terrain. Là encore une fois il était en hold down, il cachait sa tourelle, l'IS-4 n'avait que sa casemate, ses joues de casemate pour tirer dessus, et à la gold, c'est vraiment compliqué de les percer. Donc à part si vous avez un TD à forte pénétration. Donc il reste maintenant que le Foch qui était spoté à gauche. Est-ce qu'il a bougé ou non? Ça n'a pas l'air d'être. En plus là il vient de se prendre un tir. Donc là il va essayer de, semble-t-il, faire un blind sur là où il pense qu'était le Foch. C'était pas forcément la bonne position. C'est pas grave, il va pouvoir continuer à avancer, le Foch étant pas forcément une très très grosse menace. Et ils arrivent à 1000 points. Donc bien joué de la part de Mashima, encore une fois très bien joué de sa part au niveau du positionnement, etc. 5900 dégâts, une gros calibre, une master encore une fois. Royal Roar qui fait pas loin de 1000 dégâts et 3 kills, 5 kills à 2, le reste de l'équipe a pas fait grand chose. Et on va passer maintenant à la partie suivante. Donc dernière partie, cette fois-ci Mashima est encore dans son Jack Panzer 100. Je vous ai gardé la dernière partie pour la fin.
Donc encore une fois, une gamme de tir à 10, 3 médiums de son côté, 4 heavy du côté ennemi. Donc là, il va se diriger côté gauche. Il a un Imor dans son équipe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où Imor est un très bon clan. D'ailleurs, je vous ai montré des vidéos de Da Silva assez récemment qui est dans le même clan. Donc c'est un clan qui est plutôt bon. Donc Mashima va se mettre dans une position, on va dire, à peu près standard au début, voir s'il n'a pas le médium ennemi qui passerait en face de lui. Le T-115 ennemi est spoté, il ne va donc pas s'arrêter là. Le T-50-81 qui est spoté également, donc il va continuer à s'avancer et se mettre dans une position de Eldaron qui est habituellement réservée pour les heavy, mais avec un Jagdpanzer au 100, vous n'avez pas forcément de problème avec ça. Encore une fois, regardez bien son positionnement, il utilise très très bien le terrain. Là, cette fois-ci, il se prend un tir du T-50-81, mais bon, il voulait se mettre à couvert, se mettre en down, cacher son bas de caisse et son côté de tourelle. Donc là, il est un peu inquiet concernant le T-110-4 et l'IS-7 ennemi qui font pas attention à lui pour l'instant. Donc là, il va attendre que soit le T-110-5, soit le T-50-81 se présente à lui. T-110-5 qui a la bonne idée de s'arrêter. Très beau tir à 823 sur le T-110-5 qui le laisse maintenant one shot. L'IS-7, ses alliés s'en occupent. Le T-30 vient de manquer son tir sur lui, donc c'est une bonne information, ça veut dire qu'il n'est pas forcément safe. T-50-81 qui a trop reculé et qui se fait punir pour ça. Mais bon, là il est en feu croisé, il a des heavy ennemis qui sont côté TD, il a le T-30 qui est en train de le regarder. Donc encore une fois, regardez bien, il cache son bas de caisse, il angle sa casemate face à la menace la plus imminente. Donc là, c'était le STI. Et ensuite, maintenant, ça va être le T30. Donc là, le T30 qui bounce sur sa casemate. Joli snapshot. Ne me demandez pas comment il est passé, mais très très joli snapshot sur le T30. Le E100 qui est un codex. Donc encore une fois, un bon clan. Donc faut faire attention à ce genre de clan si jamais vous croisez. Qui est en train d'avancer. T30 qui est en train d'avancer également. E100 qui fait pas attention à lui, c'est parfait. Encore une fois, utilisation parfaite du terrain. Il cache son bas de caisse face au T30 qui est obligé de tirer sur sa casemate. Et vous voyez, Mashima ne lui rend pas la vie facile. Il le fait bouncer à la PCR et il va pouvoir continuer à avancer. Donc soit sur le T30, soit sur le E4 qui n'a pas forcément noté sa présence. Donc le T30 qui est la menace principale dans le sens où c'est celui qui le regarde. Il bounce encore une fois et cette fois-ci, petit tir à 675 pour le finir. T110-4 qui ne fait strictement pas attention à lui. Et vous savez, si vous voyez des fesses de chers américains en Jagdpanzer 100, vous sortez la HE et ça fait 1237, donc très très jolie utilisation de la munition. Et je pense pas que vous ayez vu un Jagdpanzer sans flanquer efficacement un T-117-4. En tout cas, c'est possible. Il va pouvoir le finir tranquillement pour son troisième kill. Il ne reste plus que le STI qui était du côté des médiums, donc il va se retourner. Vous voyez, le Jagdpanzer sans n'est pas forcément le char le plus mobile du jeu. Donc pendant cette petite intermède de voyage sur la map, je vais vous conseiller d'aller voir la chaîne de Mashima tout simplement parce qu'il poste quelques vidéos et vous voyez son niveau de jeu, c'est un niveau de jeu qui est assez énorme. Il est très très certainement meilleur que moi, donc si je vous conseille d'aller voir sa chaîne, j'ai regardé certaines de ses vidéos, c'est du très très beau gameplay et ça permet d'apprendre pas mal de choses. Donc allez voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Donc là, petit tir qui n'est pas passé malheureusement, c'est pas grave. Et en tout cas, allez vous abonner, ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir, ça me fait aussi plaisir de promouvoir la chaîne d'un très bon joueur. Donc j'en profite pour faire cette petite pub. Et il n'a pas eu son quatrième kill, c'est dommage. Je pense que s'il s'était arrêté un peu plus pour viser, il aurait eu son au moins un peu plus de dégâts. Donc petite partie tranquille pour lui, 6100 dégâts, il aurait peut-être pu toucher les 7000 avec un airroll, c'est pas grave, une grosse gamme de sa part, une gamme plutôt correcte de la part de Limor, donc joli carry de la part de Mashima, et on va s'arrêter là, ça fait déjà 5 parties. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos sur les deux TD allemands qui se jouent pas forcément de la même manière, mais bon, vous voyez, Mashima n'a aucun mal à jouer ces deux TD de manière radicalement différente.
différentes et de manière tout aussi efficace. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Machima et on se retrouvera vendredi comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!